Aujourd'hui, je vais passer la nuit dans l'hôtel le moins bien noté de ma ville. Oh, ça sent tellement pas bon! Ah, tu sens tes poils! Oh, c'est dégueu! Alors, c'est un hôtel considéré comme un hôtel à une étoile, c'est-à-dire que c'est un hôtel dégueulasse. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dormi à cet hôtel, il y a juste des commentaires négatifs. Par exemple, je vous lis un avis. Cindy Luc qui dit « Chambre malpropre, air climatisé non fonctionnel, beaucoup de fourmis dans la section cuisine, je déconseille fortement, désolant, peu propre, des autres odeur disgracieuse dans la chambre à ne pas recommander sous aucun prétexte. J'ai vraiment peur d'aller à cet hôtel, honnêtement. Désuet, des cheveux plein les draps et des têtes d'oreiller. Pire place que je suis allé, dégoûtant, ce n'est même pas le mot. Je ne conseille même pas à mon pire ennemi. Ma note est de 0 sur 10, vraiment insalubre. Les draps sont tachés, la salle de bain est vraiment minuscule. Oh my god. Est-ce que vraiment c'est aussi pire que les gens le disent ou est-ce que l'hôtel est correct, tu vois? C'est un hôtel à 1 étoile, donc j'ai bien de voir. Je vous amène avec moi, let's go! Alors tout le monde, je viens d'arriver à l'hôtel le moins bien noté de ma ville. Je suis allé à la réception et ma chambre c'est le 14. La madame parlait pas vraiment français, d'accord? Elle m'a donné une télécommande pour la télévision. Ici j'ai la clé. Est-ce que cet hôtel est aussi pire que les gens le disent? Je suis un peu stressé. Ici j'ai apporté des masques avec un habit. Alors j'ai aussi une lumière UV qui va permettre en fait de voir qu'est-ce qui n'est pas nettoyé dans l'hôtel. Bon, j'ai ici la télécommande. Je me sens observé ici, c'est pas le fun. Oh, oh ça sent vraiment pas bon. Oh, oh my god, ça sent tellement pas bon. Oh merde, on a oublié tes gants. Oh merde. Pour vrai, ça sent vraiment pas bon. Hey, pour vrai, non, ça sent vraiment pas bon. Ça me donne mal au cœur, là. Petit masque pour me protéger, d'accord? C'est dégueulasse. Là, je n'ai pas de gants, donc je vais être obligé d'aller en acheter parce que je ne vais pas toucher avec mes mains à cet hôtel. Je m'en vais acheter des gants et on se revoit dans quelques secondes. Me revoici avec des petits gants. Il n'en est pas question que je touche avec mes mains à cet endroit. Il fait vraiment froid dans l'hôtel. C'est ce que mon ami m'a fait remarquer. Regardez, littéralement, c'est 12 degrés. C'est 12 degrés Celsius. 12 degrés Celsius, c'est très très froid. C'est ridicule. Le plancher est dégoûtant, c'est vraiment insalubre. Je suis d'accord avec les commentaires. Sur le lit, regardez, il y a des trous. C'est comme s'il y a eu des tisons en fait. C'est ça, ça l'a brûlé. Ah, check. C'est dégueulasse. On va regarder dans la chambre de bain. Genre, regardez ça. Oh my god. Arc. Oh, c'est dégueulasse. Arc, il y a de la pisse. Ça n'a littéralement pas été nettoyé. Oh my god. C'est ça qui a pissé ici? On a beaucoup de trucs à regarder, d'accord? J'ai ma lumière UV pour voir les taches. Ça, ça va être correct. Oh! Oh, ça... Oh, ça sent tellement pas bon! Oh my god! Je pense que ça vient du frigeur. Ça sent vraiment pas bon, hein? Pourquoi on entend des gens? Ne venez pas ici! C'est une mauvaise idée! Oh my god! Ça n'a clairement pas été nettoyé en dessous du lit. Wesh! Ici j'ai la lumière UV. La lumière UV ça permet de voir la saleté dans l'hôtel. Donc on va voir si ça a bien été nettoyé. Alors on va commencer par le tester sur le lit. Oh my god, il y a des cheveux! Non, il y a déjà des cheveux! Oh my god! Alors c'est dégueu! Il y a littéralement des cheveux! Oh my god! Il y a plein de cheveux. Je sais pas si vous voyez. Il y a plein. Plein de cheveux. Ah, il y a genre des taches de sang. Oui, genre des taches de sang. Oh my god, check ça les cheveux. Genre c'est épouvantable. Ah, il y a genre des poils. On voit-tu? Alors tout le monde, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, d'accord? Ça va me faire super plaisir. Ok, si cette vidéo atteint 10 000 likes, je vais passer une nuit dans cet hôtel. Je vais revenir et passer une nuit, d'accord? Mais seulement à 10 000 likes. Il y a des poils pubiens. Oh, c'est dégueu. Pec, c'est quoi? Il y a des bouts de bord. C'est quoi? Arc, c'est dégueu. Oh my god, likez cette vidéo, c'est très important. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Oh my god, il y a des cheveux partout. Alors clairement, le lit n'a pas été lavé. Oh mon dieu, il y a tellement de poils. Genre, il y a des poils. C'est même pas des cheveux, c'est des poils. Soit que les draps n'ont pas été lavés, ou soit que la madame a mangé une bortande sur les draps. Oh! Oh my god! Il faut vraiment que je me concentre pour pas avoir des hauts le cœur.
Non, mais ça, c'est genre un pied. Genre, c'est littéralement un pied. Non, c'est dégueulasse, voyons donc. Non, mais pour vrai, c'est un pied. On voit-tu? Je vous le promets, l'hôtel est comme ça, genre je n'ai pas salé l'hôtel. Est-ce que c'est du poivre? Genre, on dirait qu'il y a du sable. Genre, c'est comme si quelqu'un a sauté sur le lit. Il y a de la pisse. Genre, pour vrai, il faut fermer l'hôtel ici au plus vite, là. Regardez la tache. Je sais pas si on la voit, là. Non, un peu. Je pense que c'est dégoûtant, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai vu dans ma vie. Pour vrai, faut pas trop j'essaie de penser à ce qu'il y a sur le lit. Regardez ça, on voit bien là, sur la caméra, tu vois bien? Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueu, c'est épouvantable, un endroit comme ça. S'il vous plaît, faites-moi pas dormir dans cet hôtel. Je ne veux vraiment pas dormir dans cet hôtel. Arc. Genre, on dirait une tache de sang. C'est dégueulasse. Genre, check juste sur le côté ici. On voit-tu? Mm-hmm. Genre, il y a du sang là. Je suis dégoûté par cet endroit. J'enfile cette tenue. Est-ce que je suis BG? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je me trouve très BG. On va aller dans la chambre de bain et passer la lumière UV. Regardez ça. C'est dégoûtant. C'est vraiment le seul mot qui me vient en tête en ce moment pour résumer cet hôtel. Alors, regardez ici où le bouchon. Mais genre, encore du savon. Clairement, ça n'a pas été nettoyé au complet. Là. C'est dégoûtant. Tu sais, genre, tantôt, je vais avoir porté comme la clé à la madame habillée comme ça. Oh. Oh mon dieu, on peut pas montrer ça sur la vidéo. Non, 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 c'est vrai. Il y a un genre, chaque fois que je regarde un peu les draps, je trouve toujours des trucs encore plus dégoûtants. Oh my god. What? Est-ce que c'est parce que on parle trop fort ou j'ai comme peur d'aller répondre? Attendez, on va aller voir. Il y a personne. Non. What? Ils ont peur d'ici. On est venu genre se réfugier ici. Je sais pas c'était qui, mais la personne venait vers nous. Oh my god, j'ai peur de sortir dehors. On a entendu cogner, on est sorti dehors et on a entendu des genres de cris de mort. Là j'ai vraiment peur. J'ai juste envie de partir d'ici et de ne plus jamais revenir. J'enlève cet habit, d'accord? Et on part le plus rapidement possible d'ici. Genre je ne dors pas ici, je veux m'en aller d'ici. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un fou. J'ai peur que quelqu'un nous attende avec un genre de couteau en arrière de la porte. Je ne reste pas ici. En plus, ça sent tellement mauvais. À 10 000 likes, je vous promets que je vais venir dormir dans l'hôtel, d'accord? Mais pour le moment, je retourne chez moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace out tout le monde.